Bonjour, c'est Lika, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour cette présentation du jeu du signe des anciens, le signe des anciens édition révisée, le jeu de Richard Lonius et Kevin Wilson, pour euh, des parties de 1 à 8 joueurs. Alors, le temps est indiqué derrière euh, 14 ans et plus et 1 à 2 heures par partie. 14 ans et plus parce qu'il se déroule dans l'univers de HP Lovecraft. Euh, chez Fantasy Game et euh, Age, du coup, ça fait partie de Horror Arkham, l'univers. Il y a d'autres jeux, euh, le jeu de cartes par exemple horror Arkham JCE, euh, dont je vous ai présenté euh, quelques vidéos. Les demeures de l'épouvante, euh, Horreur Arkham, euh, le jeu de plateau. Enfin voilà, il y a. Les contrées de l'horreur, il y a eu beaucoup de jeux autour de cet univers-là qui ont donné de bons, bons jeux avec pas mal d'extensions, dont celui-ci. Vous verrez par la suite. Alors, dans cette boîte, nous avons une belle règle avec pas mal d'exemples. Euh, le principe du jeu est assez simple, il arrive quelquefois qu'on hésite sur des interprétations de cartes ou mais bon on trouve des renseignements sur internet aussi s'il y a besoin. Alors je vais diminuer le flash. Voilà, ouais, bon il y a toujours un petit... c'est pas grave. Donc je disais une règle euh, assez bien faite comme d'habitude chez FFG ou Edge. Il pouvait y avoir des petits problèmes de traduction, mais comme c'est une édition révisée, en fait, elle a couvert pas mal de ces petits problèmes de compréhension de traduction. Alors, cette boîte contient aussi énormément de jetons et de dés. J'ai pris un petit, une petite boîte de bricolage, pas trop chère, assez petite pour entrer dans celle-ci, pour ranger assez facilement tous les types de jetons les dés et les monstres ce qui permet euh, voilà d'éviter d'avoir tous les sachets à ouvrir ce qui peut être assez long donc c'est assez pratique euh, on a des monstres qui vont être dans une tasse à monstres qui est un, un élément assez connu de, de ce jeu on en parle souvent voilà, alors par exemple là il y a un cultiste avec un dessin sympa et ici vous verrez des tâches à faire. On a les dés qui sont le cœur du jeu. Au départ on a les dés verts et ensuite selon les cartes qu'on aura, on pourra avoir le dés rouge ou le dés jaune en plus. Ensuite on a les petits pions représentant les différents personnages qu'on pourra incarner. Alors sachant que ça se joue de 1 à 8, mais euh, au-delà de 5 ça devient un peu long, compliqué. Donc de 1, on peut jouer à 1 en jouant plusieurs personnages, 2, 3, 4, jusqu'à 4 ou 5 c'est très bien. Après au-delà c'est un peu plus long, chaque, en chaque, entre chaque tour les joueurs attendent et c'est un peu compliqué. Alors ici donc on a énormément de personnages, vous verrez tous ceux qu'on peut incarner au départ. Le signe des anciens, le but du jeu c'est d'essayer d'en avoir autant qu'il faut pour éviter qu'il ne se passe quelque chose, mais ça je vous l'expliquerai après. Ça, ce sont des pions du destin qui vont faire avancer le, le mal, les anciens, le, les apparitions. Ensuite, il y a des dégâts, un peu comme dans d'autres jeux, les dégâts physiques, les dégâts mentaux, et des pions indices qui permettent de, de rejeter autant de dés euh, qu que l'on veut dans les dés qui sont encore disponibles. Donc, ça vous le verrez aussi après. Voilà pour les pions. On a une horloge très importante. À chaque fois qu'un un héros ou un personnage va essayer d'accomplir une tâche dans une pièce, dans un endroit, une fois qu'il aura fini, on avancera l'horloge. Donc, en 4 tours de joueurs voire moins selon ce qui se passe sur les cartes on retourne à minuit et à minuit se déclenche une action et euh, ça fait avancer le le toujours le mal donc euh, en fait ça représente une nuit entière et une fois qu'on arrive à minuit et bien, en fait il se passe des choses pas toujours euh, chouettes alors ensuite on a un petit plateau qui représente l'entrée du musée voilà, avec euh, une infirmerie pour recevoir les premiers soins. Une, une euh, salle des objets trouvés, en fait, où on va pouvoir euh, acheter euh, des choses, par exemple des indices. Euh, euh, alors ça en fait, c'est en jetant les dés. On lance un dé par exemple, vers, et euh, selon le résultat, on gagne des objets ou... On perd soit un objet, une santé mentale soit une résistance donc c'est un petit peu aléatoire euh, c'est pas acheté ici en fait c'est le hasard qui détermine ensuite donc c'est assez compliqué d'y aller euh, ensuite on a acheté un souvenir et on est euh, limité donc c'est une boutique euh, souvenir on est limité à un seul achat par tour et pour un trophée par exemple on pourra avoir un pion indice deux trophées un objet commun etc et dix trophées un signe des anciens Très important parce que dans les, à partir des prochaines extensions, ce, ce, cette ligne disparaît. On ne peut plus acheter de signes des anciens. Et l'entrée où on place nos personnages au début. Et on aura le choix soit d'aller dans un de ces euh, endroits du musée, soit dans les pièces où il y a les fameuses aventures. Alors ici, on a encore des monstres. Je crois que c'est les monstres qui sont euh, pour un... Un type d'anciens particuliers, c'est pour ça qu'on est mis au de côté au départ, et après on a énormément de cartes, de petites cartes. On a les objets communs représentés par des revolvers, Alors ce, soit ça nous donne des dés, soit. Euh par exemple des fausses 7 de cartes au lieu de perdre une résistance en fait ce sont des objets euh, assez euh, communs on va dire d'où leur nom par exemple il y a un fusil à pompe euh, de la dynamite euh... voilà euh... un vieux jour des vieux jours un vieux journal un automatique un 38 un étui à cigarette tous ces petits euh... cette euh, pile permet souvent d'avoir plus souvent des dés et des petits bonus euh... Pour éviter de perdre trop de choses ensuite <coughs> on a les objets uniques voilà alors eux ça va être un peu plus particulier bon ça va aussi à on dirait un objet commun oui qui est venu se glisser avec les autres là donc par exemple eux aussi vont nous donner des dés mais il y aura quelques pouvoirs un peu plus importants. Le même, euh, par exemple, on va retrouver, euh, euh, je crois qu'il y a c'est là-dedans qu'il y a une carte particulière. Voilà, le Necronomicon qui est très connu dans l'univers de Lovecraft, qui offre à la fois un dé et euh, on pourra gagner un pion indice aussi. Voilà. Donc, ce sont, euh, voilà, il y a plus de, de possibilités avec ces, ces objets-là, légèrement plus que les objets euh, communs. Ensuite, il y a des sorts. Alors des sorts ça va être euh, voilà pour soigner complètement quelqu'un. Euh, ce genre de détail là c'est pour placer un dé en réserve au cas où on le bloque jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin. Voilà ce sont des petits sorts euh, sympathiques. Là le double est, est pas mal aussi. Après je vous verrez dans les parties le principe de euh, bloquer des dés. Euh, se concentrer tout ça ce sont des termes qui ont qui au départ paraissent bizarres et puis après ça vient tout seul quoi ensuite il y a quelques alliés qu'on peut trouver dans le musée par exemple il y a Duke le chien de de Pete je crois on verra les personnages euh, voilà il y a quelques alliés avec des particularités en général ils restent pas ils ont un nombre limité d'utilisation et après ils s'en vont euh, voilà où ils peuvent disparaître quand, disparaître quand le Grand Ancien apparaît. Enfin voilà, chaque allié a quelques propriétés sympas, mais euh, on ne peut pas s'en servir forcément tout le temps jusqu'au bout. Ensuite, au niveau des cartes, on a des grandes cartes qui sont, hop. Euh, alors je crois que, ouais, c'est ça, les personnages que l'on peut incarner. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a 12, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah non, 16. 8 de chaque. 8 hommes, 8, 8 femmes. Avec euh, leur point de santé mentale du départ. Leur point de résistance physique du départ. Des objets qu'ils acqui qu acquièrent euh, au départ. Et à chaque fois un pouvoir. Par exemple, ici, c'est Caroline Fern, la psychologue. Une fois par jour au début du tour de n'importe quel joueur, car peut faire en sorte qu'un investigateur de son choix, y compris elle-même, récupère une santé mentale. Alors par jour, ça veut dire dans le cadran de minuit à minuit en fait. Donc elle peut choisir à un moment s'il y a quelqu'un qui est mal en, en santé mentale qu'il récupère un point. Quoi. Lui, ça va être pareil pour les points physiques. En fait, chaque héros a des, des pouvoirs particuliers. Et euh, si on arrive, voilà, pitt c'est euh, le propriétaire du chien. Euh, voilà, il y a un magicien, euh, le gangster, un professeur, l'archéologue. En fait, ce sont un peu des, des personnages aussi qu'on aurait pu rencontrer dans euh, le jeu de rôle, parce que dans les métiers possibles, il y avait tout ces, toutes ces professions. Voilà. Chaque personnage a ses particularités et puis on peut avoir envie de, de jouer un, un personnage particulier plus qu'un autre. Dans la règle, il proconise de tirer au sort ces personnages. Après, on verra que dans la campagne, au départ, on en choisira et puis euh, on essayera d'aller jusqu'au bout de tous les anciens avec. Alors en parlant d'anciens, il y a 8 anciens différents, plus ou moins difficiles avec euh, ici leur nom, leur pouvoir. Ici, c'est la fameuse piste où on vient mettre les pions de destin. Ces fameux petits pions. Voilà. Donc, si on en, a, euh, jusqu on en met un jusqu'à la fin, là, on a l'ancien se réveille. Pour, pour, pour celui-ci, par exemple, Azathoth, euh, c'est radical, parce que s'il se réveille, c'est la fin. Azathoth euh, détruit le monde. Donc, on va essayer d'éviter qu'il y ait autant de pions de destin que de cases ici. Et pour essayer de le conjurer ou d'éviter euh, qu'il se réveille, il faut qu'on acquiert avant tout ça, là, euh, qu'on fasse l'acquisition de 14 signes des anciens. Voilà. C'est pas, pas le plus facile, mais bon. Voilà. Alors, chaque ancien a une illustration. Euh, avec une particularité. Ici, on voit par exemple des tâches qu'on devra accomplir quand il se réveille. Voilà. Donc, tout ça, vous le verrez. En fait, dans la campagne, je pense qu'on essayera un par un euh, de se débarrasser de tous ces, ces monstres-là, de tous ces anciens. Enfin, pas de se débarrasser, d'éviter qu'ils qu apparaissent. Quand on perdra un investigateur, il sera mort, donc on en prendra un autre, comme c'est indiqué dans les. Et après, on continuera avec celui-ci dans, dans les autres parties au fur et à mesure. On va essayer de faire tous les, tous les anciens. Ensuite, il y a les salles. Alors, les salles normales et les portails vers un autre monde. Donc, les illustrations sont vraiment chouettes. Ici on a les salles normales avec une sorte de labyrinthe. Ici on a les portails vers un autre monde. Voilà, donc les salles normales avec euh, des chouettes illustrations. Euh, une, pe une petite euh, mise en place, euh, un thème là, qui met bien, bien en place l'ambiance. Euh, ici c'est un point de trophée, c'est ce qui va nous permettre si on remplit la carte et qu'on arrive à la faire, comme pour les monstres d'ailleurs, il y a des points de trophée, c'est ça qui va nous permettre dans la boutique d'acheter euh, différents pions, différents points de santé, etc. Là on a les tâches à faire avec nos, nos fameux dés de départ et éventuellement d'autres dés qu'on pourra avoir. Si on arrive à remplir ces tâches... On réussit c'est de ce côté, on a ici ce qu'on va gagner et ici en cas d'échec ce qu'on va perdre. Ici ça serait un point de santé mentale. Alors le principe ça va être, je vais faire une salle vite fait avec juste 6 dés. Voilà. Alors ici on voit qu'on doit faire soit six investigations, soit des savoirs ou avec d'autres investigations. Le principe c'est que ça marche par ligne en fait. C'est-à-dire, soit on fait 6, ici, loop, soit on fait une, une, un savoir et trois investigations. Euh, il peut y avoir des cartes où, voilà, ici il y a une flèche, ça, ça veut dire qu'il faut les faire dans l'ordre. Donc euh, ça complique un peu plus euh, l'histoire. Ici, les petits liserés blancs, c'est pour dire que si y a un monstre qui apparaît, il, va, il a tendance à se positionner en priorité sur ces cases-là. S'il y en a de disponibles, on doit mettre les monstres. Voilà, pour les trois, on va dire les trois types de, de cartes euh, et de petits détails sur ces cartes. Ensuite, bah, le principe c'est qu'au départ on a nos 6 dés, à moins qu'on ait un objet commun qui rajoute un dé euh, un dé euh, rouge ou jaune. Donc on a cette carte, je vais la mettre ici. Voilà, on jette nos dés. On fait la par exemple ici j'ai la deuxième ligne de disponible. On les met dessus, hop, on a rempli cette tâche, hop, après, on peut relancer tous les autres dés. Donc là, par exemple, euh, je n'ai pas la combinaison des 6, à ce moment-là, j'ai le choix, soit, quoi qu'il arrive, défausser un dé et relancer tous les dés, soit, et c'est que dans le cas d'un échec, on peut récupérer un dé, le placer sur le jeton de notre personnage qui est dans cette pièce et relancer les deux autres, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir, par exemple ici, j'ai eu trois en deux fois, donc j'ai réussi à remplir cette tâche. Voilà. Là, j'aurais eu euh, une victoire, une réussite, j'aurais gagné deux indices et on aurait et j'aurais récupéré cette carte qui me valait un trophée. Voilà. Donc dans le musée il va y avoir ces pièces, il va y en avoir 6 à chaque fois. Mais ça vous le verrez après, dans la partie. Mais le principe en gros c'est ça, à savoir que euh, par exemple il y a sur ces, sur ces dés, une phase terreur. En général c'est pas bon, ça, ça, peut, euh, ça peut être demandé sur les tâches, mais ça peut inclure des effets terreur aussi sur des cartes. Qui vont nous faire euh, perdre des trophées ou d'autres choses. On a un petit crâne qui s'appelle le péril. Ensuite, on a le savoir. C'est un parchemin. Et on a les loops qui s'appellent des investigations. 3, 2 et 1. Voilà, on a, on a balayé les, toutes les faces de ces 6 dés-là. Ensuite, le dé jaune aura la particularité par exemple de ne pas avoir de terreur. Par contre, il a un 4 en investigation qui est très bien. Donc il y a 1, 2, 3, 4 en investigation et un savoir ou un péril. Donc dans, les, dans le cas où on veut éviter d'avoir des terreurs, celui-ci est très bien. Ensuite il y a celui-ci où il n'y a pas de terreur non plus. Il y a deux, 3 4 en investigation. Il y a un savoir, il y a un péril. Et il y a ici une, euh, comme un investigateur, en fait c'est un joker. On peut choisir n'importe quel dé de face. Quelle qu'elle soit. Pas forcément de ce dé là. Ça peut être n'importe quel dé du. Voilà, ça peut être une terreur, ça peut être un péril, ça peut être un, un savoir ou quatre d'investigation, de... quatre si on en a besoin. C'est vraiment un joker qui est aussi très utile pour finir des combinaisons. Hop ça c'était pour les, les pièces normales, les dés avec leurs particularités. Et enfin on a l'ouverture des portails. Les portails peuvent s'ouvrir souvent euh, par euh, un gain d'une pièce, ou alors par une carte, ou il y a même un personnage qui peut ouvrir plus facilement des portails. Un hein, des investigateurs. Donc celles-ci sont euh, souvent. Un peu plus compliqué, mais par contre au niveau des voilà de ce qu'on peut gagner, ça peut ça peut être très 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 intéressant. Voilà et à chaque fois par exemple je crois qu'il y a il y a you Got, des cités euh, rayleigh, euh, des cités connues un peu du, de l'univers de, de Lovecraft quoi. Alors euh, ce ce jeu et euh, pratique pour la mise en place à, à, en solo ou à plusieurs, mais euh, j'ai réussi à trouver un plateau sur euh, board euh, Game Geek, ou Geek Game, je sais plus, qui euh, qui s'imprime en A3, en deux fois, voyez, hum, oui, en A3, ou bon, en deux fois, ce qui est vraiment pratique, en deux fois un, un A4 recollé en fait pour positionner au moins toutes les cartes, les salles, tous les accessoires. Et ensuite, on n'a plus que les, les cartes joueurs à mettre autour et pour essayer de, voilà, de remplir un peu toutes les tâches du musée. Je trouve que c'est assez sympa, donc euh, on verra si on l'utilise ou pas, selon à combien on joue. Pour l'instant, je pense qu'on jouera un minimum à 3 et on verra si on sera un peu plus pour, pour essayer de faire cette campagne. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Euh, nous ferons une campagne, euh, nous commencerons une campagne, parce que ça sera en plusieurs parties, un peu comme dans certains jeux que, que, auxquels on joue en ce moment, comme Harry Potter, ou, ou Hero Realms, où on joue pas mal de, de personnages différents, vous verrez, et voilà, il y aura une campagne, euh, j'espère qu'il vous intéressera, et qui vous fera découvrir le jeu avec ses règles, de façon à peut-être vous donner envie de, de l'acheter. Savoir qu'il est à 31,50€ par exemple chez euh, Philibert. Vu la quantité de matériel et le principe, et le et, euh, bon, ben, par principe j'entends un jeu de dés en fait, hein, en, en priorité, mais euh, avec euh, quand même un petit peu de stratégie et, et dans l'univers de Lovecraft, ce qui, est, ce qui est assez intéressant. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ça voudra peut-être vous donner envie de, de jouer à ce jeu qui est assez complet. Il y a eu pas mal d'extensions. Euh, J'en ai déjà quelques-unes, donc on les découvrira au fur et à mesure. Une fois qu'on aura fini la campagne, on passera sur d'autres extensions. Mais je vous les présenterai peut-être avant. Et puis euh, voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres jeux. Si ça vous a plu, un petit like. Et éventuellement, pourquoi pas s'abonner. A bientôt